écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, la coopération algéro-mauritanienne rehaussée grâce aux tronçons routiers et les postes frontaliers qui relieront bientôt les deux pays. Le président Tebboune et son homologue mauritanien ont donné hier le coup d'envoi de ce projet à partir de Tindouf. À Gaza, on s'approche malheureusement de la barre des 30 000 morts. L'Algérie a réitéré hier à l'ONU son appel à un cessez-le-feu immédiat. Chez nous, des alertes météo, pluie, neige et vent sont émises aujourd'hui par l'Office national de météorologie. Elles concernent principalement le nord du pays. Deuxième session de la formation professionnelle, les stagiaires font leur rentrée dimanche. De nouvelles spécialités leur sont proposées. Et puis sport avec le championnat arabe des clubs champions de judo qui se poursuit. En football, on jouera ce vendredi des matchs avancés de Ligue 1 et 2. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les villes de Tindouf en Algérie et Zouiret en Mauritanie seront dans un avenir proche reliées par une route longue de plus de 800 km réalisée par des entreprises algériennes. Le président de la République en compagnie de son homologue mauritanien ont donné hier le coup d'envoi de ce méga projet à partir de Tindouf. Abdelmadjid Tebboune a insisté afin que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. نتمنى باش تكون فيه السرعة القصوى في إنجاز هذا الطريق أولا انطلاقا من اليوم partir d'aujourd'hui les engins mais تحبسوش إن شاء الله ده إن شاء الله وده provisionnement tout le reste je crois qu'on est متفاهمين مع وزير النقل ça pose aucun problème en plus que الشركات كلها شركات جزائرية كلها جزائرية مبروك علينا إن شاء الله إحنا وموريتانيا إن شاء الله الطريق هذا Le président a rappelé la nécessité d'accompagner ce projet par les infrastructures nécessaires. تعمير منطقة لازم يكون بالمرافق وبالتجهيزات العمومية مثل هذه. إن شاء الله تكون في حيوية، حيوية في الطرق، لأن نعرف أن طريق طويل مثل طريق زويرات مديبو. أعتقد أن تكون فيه محطات يستغلوها. أشقاء بالنسبة للبنزين بالنسبة للنبات بالنسبة للأكل بالنسبة يعني تفتح أفاق وتعمر المنطقة هذه أيوة. المنطقة حاليا باقية فارغة هكاك جرداء إذن مرة أخرى نزيد نأكد على ضرورة السرعة إنجاز بالسرعة لأن اليوم الشعبين الجزائري والموريتاني هم ينتظروا في الطريق هذه خلاص Le président mauritanien a tenu à remercier Abdelmadjid Tebboune pour avoir concrétisé ce projet. Mohamed Olcheikh Al-Razawani. أشكر أخي خامة الرئيس عبد المجيد تبون على إنجاز هذا الطريق الرابط بين تندوف وزويرات ومن ثم كما رأينا في العرض سوف ينطلق إلى محطات أخرى مهمة جدا لإرادة خامة الرئيس وعندما التزم لي شخصيا بأن هذا المشروع سوف يرى النور عن قريب رغم أنه كان دائما في الماضي يحكى عنه لكن فخامة الرئيس أخي عبد المجيد قرر أن يكون مشروعا يرى النور ونلمسه ونستفيد منه وفعل وأشكركم فخامة الرئيس ومثل ما قلتم مبروك عليكم Après la pose de la première pierre de ce projet, le chef de l'État a mis en exergue les répercussions bénéfiques qu'aura cette zone de libre-échange sur les économies des deux pays. Les deux pays ne seront pas privés de la production les deux pays. شعب واحد ونتمنى ان شاء الله باش نمشيو الى ابعد من هذا الامور هذه وضح انت قرار مكتوب ان اريتي انترمينستريال كي بات ريبري بار ان ديكري دو برومي مينيست موريتانيا دو برومي مينيست الجيريان سور تو لي ديتاي كيما يقولوا لو ديابل دون لو ديتاي بور كيني حتى ضبابة ماشي غيام Aucun contentieux ne peut naître de cette zone-là. Le président de la République a annoncé que les ministres des commerces des deux pays auront à se rencontrer pour peaufiner le projet.
أن وزيري التجارة أنت والزميل تاعك تاع موريتانيا تتلاقاو توضيح كثير من المفاهيم فيما يخص هذه المنطقة الحرة، تبادل فيها حر بدون جمارك بدون أي شيء، يكون فيه بنوك موريتانية وبنوك جزائرية موجودين ليرسموا التبادلات. فهمت أخي الحاج محمد الشيخ غزواني على أساس أن في التبادل تدخل من المفروض السلع والبضائع دي يعني واضحة الأصل avec le certificat d'origine. Tout ce qui est mauritanien مرحبا به، sans douane sans rien sans tout ce qui est algérien كذلك يدخل sans douane ويخرج sans douane. راك عطيت لي grandes familles de produits، c'est pas exhaustif، il faut voir avec ton collègue ministre mauritanien s'il faut ajouter. Enfin en principe c'est libre. Sauf ce qui est importé par l'Algérie est revendu presque en l'état. Côté mauritanien, on se réjouit également des opportunités qu'offrira ce projet et cette nouvelle route à l'avenir. Le président mauritanien, Oulcheikh El Ghazouani. هذا الطريق ذو 1000 كيلومتر له أبعاد مهمة سيستفيد منه عدد كبير من دول غرب إفريقيا. هذا المعبر يعد جد ضخم من حيث حجمه، وقلت إلى السيد الرئيس عبد المجيد تبون أنني لم أكن أتصور تحقيق مثل هذا المشروع في هذا المستوى. مرة أخرى السيد الرئيس أتقدم لكم بالشكر الجزيل. Réaction à présent des entrepreneurs et chefs d'entreprise, à commencer par Kamel Moula, président du CREA, le Conseil du Renouveau Économique Algérien, pour qui il s'agit là d'une étape cruciale dans les relations algéro-mauritaniennes. C'est une étape importante pour la relation algéro-mauritanienne. Ça va permettre de rapprocher les deux peuples, mais surtout de fructifier et intensifier la relation économique entre nos deux pays. La zone libre-échange, ça va encore booster les exportations algériennes et ça va créer les opportunités d'échange et d'affaires. Que ce soit pour les commerçants de la région en créant une vraie dynamique régionale, mais surtout pour l'industrie algérienne, mais pas seulement pour exporter en Mauritanie, mais ça va être un vrai levier pour nous, pour conquérir des pays africains. Aussi, c'est dans la continuité logique, dans les accords LECA et la politique de l'État pour booster l'export hors hydrocarbures. Mohamed Salahaddin Dahaz, directeur général adjoint du groupe Condor, salue lui aussi les décisions du président Tebboune concernant principalement les taxes douanières au niveau de cette zone de libre-échange. Pour nous, opérateurs économiques déjà présents sur le marché mauritanien, c'est une aubaine, voir la suppression des taxes douanières, pouvoir envoyer nos produits par voie terrestre, par une voie praticable, c'est un gain en temps, c'est un gain en argent, c'est une force supplémentaire à nos produits, ça va nous permettre d'être encore plus concurrentiels sur ce marché, ça va nous permettre aussi d'aller vers des marchés limitrophes, le marché sénégalais un peu plus bas, puisque nous nous installons également sur le Sénégal. C'est des décisions qui nous permettent, en tant qu'opérateurs producteurs nationaux, de placer nos produits sur des marchés internationaux, des marchés africains plus spécialement. Les échanges économiques avec la Mauritanie vont permettre effectivement à l'Algérie de conquérir d'autres marchés sur le continent, souligne pour sa part Hassan Khlifati, PDG d'Alliance Assurance Algérie. Cela, ça va ouvrir à l'Algérie le marché de l'Afrique de l'Ouest. Toute cette stratégie qui est en train de se mettre en place va ouvrir des perspectives aux opérateurs algériens, que ce soit assurance, banque, transport aérien. En s'ouvrant sur la Mauritanie, on peut arriver facilement en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria. Et aussi, comme l'a déclaré hier M. le Président de la République, c'est des zones de libre-échange avec une franchise de taxes et de droits de douane. Ça donnera une compétitivité aux produits algériens et aussi, on pourra importer des marchandises et des biens de ces pays africains. Kamel Moula, Salahaddin Dahaz et Hassan Khlifati ont été contactés par Smaïl Mimouni.
Venons-en à la situation en Palestine occupée. Gaza ne compte plus ses victimes. On s'approche de la barre des 30 000 morts. L'Algérie a réitéré hier devant les membres du Conseil de sécurité son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande pour permettre ou pour mettre un terme à la tragédie en cours. Dans une allocution prononcée lors de la séance ordinaire du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient et la Palestine, Nassim Kouawa, représentant permanent adjoint de l'ONU, a déploré la décision du Programme alimentaire mondial, le PAM, de suspendre ses opérations dans le nord de la bande et renouveler le soutien de l'Algérie à l'UNRWA. Le représentant de l'Algérie a ajouté qu'il était totalement inacceptable de brandir la menace d'une incursion à Rafah et d'empêcher l'entrée des aides. La situation humanitaire est dramatique dans la bande. Le risque de famine se renforce selon les Nations Unies. Les camions de l'ONU sont attaqués sur la route par les colons. Le dernier convoi du Programme alimentaire mondial a été pillé avant même d'atteindre la partie nord, des pratiques devenues quotidiennes selon le témoignage de Shadi Jnina, directeur du bureau de l'association algérienne Al Baraka à Gaza. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Lorsqu'ils mènent des opérations dans la bande de Gaza, les soldats de l'occupation sioniste volent et pillent tout ce qu'ils trouvent dans les maisons des Palestiniens. Ils volent des vêtements, l'argent, l'or et tout ce qui appartient aux Palestiniens et partagent leurs vidéos sur les réseaux. Les aides humanitaires sont très souvent volées et détournées par les colons sionistes en toute impunité, aggravant ainsi la situation humanitaire des Palestiniens. En plus des frappes aériennes, des incursions terrestres et de l'exécution de Palestiniens, une force israélienne spéciale de l'armée d'occupation a kidnappé des étudiants palestiniens devant le portail de l'université de Beir Zit, dénonce le ministère palestinien de l'éducation. Il est 12h bientôt 42 minutes après l'alerte vent et pluie. Une alerte neige vient de s'ajouter au BMS précédent émis par l'Office national de météorologie. Les trois concerne la partie nord du pays. La neige est susceptible de tomber sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude. Nous sommes désormais à une semaine du sommet des pays exportateurs de gaz. Après avoir longuement présenté les grands projets de la Sonatrach, on s'intéresse ce midi à leur maintenance, plus particulièrement à la maintenance des pipelines. Là encore, la Sonatrach a développé son propre savoir-faire. Ibtihal Adoun, reportage. À l'intérieur de la zone industrielle d'Arzeux se trouve la direction de réparation des canalisations. Créée en mai 1990 par Sonatrach, l'objectif est d'assurer la réalisation des interventions suite aux incidents survenus sur les canalisations et ouvrages annexes. Jafar Hafid Bennou, directeur réparation canalisation de la division maintenance de l'activité transport par canalisation de Sonatrach. Elle dispose de quatre bases régionales d'intervention à Tiaret, Berika, Hassim Saoud et à Wanet, Wilaya Dilis, de telle façon à couvrir le territoire national en matière d'intervention tant curative que préventive sur les canalisations de transport des hydrocarbures de Sonatrach qui cumulent plus de 121 190 km. La conjugaison de ces moyens ont permis à la RCL de respecter les délais d'intervention, d'assurer une qualité conforme aux normes et règles nationales et internationales avec des compétences 100% algériennes. Le recours étant un choix stratégique et non obligatoire à la compétence nationale dans tous les domaines touchant l'intégrité des ouvrages, des hydrocarbures a permis à Sonatrach de rester indépendant de la main-d'œuvre étrangère, lui permettant d'économiser d'une manière conséquente ses ressources en devises. Si aujourd'hui la direction répare canalisation, l'une des pierres angulaires de l'activité TRC, a pu surmonter ces défis, c'est justement grâce aux efforts et aux sacrifices consentis par son personnel ainsi qu'à l'excellent travail accompli par toutes les équipes intervenantes. Le ministre libyen du pétrole et du gaz a déclaré que ce sommet que l'Algérie s'apprête à organiser revêt une importance cruciale compte tenu des bouleversements actuels dans le monde. Nous sommes à la veille de la rentrée de la deuxième session de la formation professionnelle, une rentrée zéro papier. Le secteur étant entièrement numérisé, la formation professionnelle organise ce week-end des portes ouvertes à travers les 58 wilayas, l'exemple à Ardaya avec notre correspondant Mahfoud Karkar.
Une journée d'information est initiée par le secteur de la formation professionnelle pour apprendre sur la numérisation et rejoindre ce processus national à l'aide du secteur de l'enseignement supérieur. Dr Slimane Ouled-Noui, maître conférencier, département de mathématiques et informatique, Université de Redaya. Une occasion pour nous pour partager notre vision et le programme actuellement en cours avec le secteur de la formation professionnelle. Donner les grands axes pour réussir ce programme, offrir des infrastructures solides et sûres. Deuxièmement, veiller à l'installation d'une équipe du personnel stable, compétente et coopérative. On a aussi insisté sur le fait de planifier ces actions stratégiques pour arriver à réussir ce programme qui est actuellement un projet d'État. Des conditions pour réussir la numérisation. Au niveau central, il y a des efforts. Deux problèmes actuellement que la majorité des secteurs souffrent, surtout la question de la stabilité de l'énergie électrique. Donc on a fait des constats avec le National Gas, assurer la continuité et la stabilité de l'énergie électrique, voire d'autres scénarios tels que l'installation des groupes électrogènes. Il y a aussi le débit Internet. On a évoqué la question d'acquérir des connexions au débit, surtout avec l'opérateur national Algérie Télécom. La numérisation est lancée pour assurer les inscriptions pour la session de février, voire même l'obtention des attestations. De Redaya Mahfoud Kerker pour Algérie 3. Et comme à chaque session, le secteur propose de nouvelles spécialités. Soraya Roslan. L'amélioration de la qualité de la formation professionnelle, la promotion de l'enseignement professionnel et l'adaptation de la formation à l'environnement économique, principaux axes du plan du secteur. Pour cette nouvelle rentrée, de nouvelles filières ont été introduites, nous apprend Koudil Zder, directeur de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle. On parle du numérique, on parle de cybersécurité qui va être lancée au niveau de Ousmaïd. Et c'est un travail qui a été fait avec les professionnels, des experts. C'est un BTS qui a été travaillé avec Biopharm sur la distribution des produits pharmaceutiques qui va être lancée au niveau d'Alger, Ouiba. Il y a un certain nombre de spécialités aussi qui tournent autour des de valeur de l'agriculture. Dédiée aux demandes de formation, la plateforme numérique Mehnati est un outil indispensable pour l'accès à la formation. Il y a aussi une autre deuxième plateforme qui a été faite, la plateforme CIE, qui prend en charge toutes les questions d'ordre administratif, pédagogique et financière. Aujourd'hui, justement, il y a tout un travail qui a été fait par des gens du secteur. Infographe de formation, Hamoudi, jeune stagiaire, est très content d'avoir rejoint le secteur. Oui, effectivement, c'est un secteur assez prometteur pour les jeunes, surtout nous qui sommes nés dans cette génération digitale et numérisée. Ça nous permet de développer ça à un autre niveau. Placé sous le signe de la formation professionnelle et le renouveau économique, cette nouvelle rentrée, février 2024, se caractérise par l'introduction de nouvelles filières répondant aux exigences du marché local et de la numérisation pour accompagner le secteur de la formation professionnelle. En bref, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, appellent à une action immédiate pour protéger les enfants et les familles pris dans l'escalade de la violence à l'est du Congo. L'est de la RDC connaît depuis fin 2021 un pic de crise avec la résurgence dans la province du Nord Kivu de la rébellion du M23 qui s'est emparée de vastes pans de territoire. MSF, l'Organisation de Médecins Sans Frontières, appelle à une réponse urgente dans deux sites de transit les plus fréquentés du Soudan du Sud afin d'éviter des foyers d'épidémie meurtrière. MSF a mis en garde que la crise humanitaire progresse dans l'état du Nil supérieur. Des milliers de personnes ayant fui le conflit au Soudan sont dénuées de services essentiels tels que l'eau potable, la nourriture, les abris ou encore les soins de santé. On arrive au sport. Aldouane Bendali, bonjour. Bonjour, Céane. Alors, d'abord, ce championnat arabe des clubs champions de judo qui se poursuit. Oui, qui se poursuit à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf à Alger. Championnat donc arabe de clubs champions. On va retrouver sur place Ali Hamouche pour la suite et fin de, des épreuves de ce championnat. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Erdogan, une journée consacrée aux épreuves par équipe et première information, c'est que chez les filles, c'est le judo club de Tunisie qui remporte le titre en battant en finale la dynamique sportive de Babassan par 3-0. Et chez les garçons, c'est le judo club Al-Haraj qui est bien parti pour remporter le titre puisqu'il s'est imposé lors de la première manche
face au club de Ouled El Bahia, 3-2. Et en ce moment même se déroule le dernier combat entre le judo club Al Harraj et l'Union sportive de la police jordanienne. Et c'est le judo club Al Harraj qui mène par 3-0 en attendant ce dernier combat. En cas de victoire, ça sera le judo club Al Harraj qui sera déclaré champion arabe pour cette édition 2024. Merci Ali Hamouche. Le football avec ses matchs avancés de Ligue 1 et 2 aujourd'hui. Oui, la Ligue 1 tout d'abord avec la 18e journée qui débute aujourd'hui et qui se poursuivra demain. Aujourd'hui, il y aura US Biskren et Magra 15 à 16h à huis clos. Également l'étoile sportive de Ben Aknoun qui accueille la JS Saoura à 16h également. Les autres rencontres de demain, il y aura JS Kabylie USM Khenchla, MC El Bayad Mouloudia d'Alger, Mouloudia d'Oran US Souf et CS Constantine AS Chelef. Deux matchs ont été reportés, Chabab de Belouizdad par Adlo Athletic Club, USMA d'Alger en tente de ces titres en raison de la participation de nos deux clubs aux Coupes africaines. En Ligue 2, un seul match aujourd'hui au programme, ça sera Azmodoran SC Micheliya à 15h. Toutes les autres rencontres également dans le groupe Centre-Est se dérouleront demain à partir de 14h. Nous célébrons aujourd'hui la Casbah, dont c'est la journée en ce 23 février. La Casbah racontée à travers les clichés de Samiat Jama, photographe et écrivain. Sid Ali Fares nous raconte son dernier ouvrage. Samir Jama, photographe, éditeur, spécialiste dans les livres du patrimoine. Il revient sur son dernier ouvrage, Algérie, Casbah d'Alger. Alors, c'est le dernier né de ma collection. C'est un livre qui est en bilingue, anglais-français. C'est un portfolio. Donc, ce qui fait que vous avez un résumé de l'histoire et de la Casbah, tous les laïons, les portes, etc. Vous avez tout ça. Plus, vous avez des gravures, 10 gravures avec. Vous avez déjà réalisé un livre sur la Casbah, balade au cœur de la Casbah. Chaque jour, c'est une Casbah nouvelle. Donc, je raconte un peu ma balade que j'ai faite en photographie. Ça a commencé par l'endroit Serkadji ou Djihab, le circuit classique. On commence par la rue de la Casbah et on descend jusqu'à Akchawa. Mais bon, en passant par deux ou trois ayouls. Après, ça dépend si vous prenez à gauche, à droite, en allant vers le musée d'Aller la Pointe ou l'autre côté, etc. Bon, disons, on a les palais surtout qui sont là. Vous avez déjà la citadelle qui est ouverte partiellement. Après, vous avez les maisons de palais d'Aoujlamia, palais Mustafa Pacha et le palais Hassan Pacha qui est en restauration. Et vous avez Dar al-Hamara, vous avez pas mal de trucs. Les livres de Samir Jama, Algérie Casbah d'Alger et Balade au cœur de la Casbah sont disponibles dans les librairies d'Alger. C'est ainsi que prend fin ce journal, réalisé par Amin Segni, Ahmed Dadou. Merci également à Cédric qui était à la technique, Hossine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amin Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.